survêtement, dédie cette chanson à toutes les personnes qui souffrent du cancer et vous apporte un message d'espoir. Écoutez ça. J'ai un message d'espoir pour toi qui pendant longtemps tu souffres du cancer. Les cancers n'est pas synonyme de l'amour, mon frère, ma soeur. Tout est possible, n'abandonne pas. Ayez confiance en Dieu, car c'est lui qui m'a guéri de ces derniers. Il est autant capable de le faire aussi pour toi. Suis juste tes traitements ou check-up, aussi les conseils de ton médecin. Ne perdons pas espoir, rassure-toi que ça va aller. N'étant pas dans l'inquiétude, car Jésus-Christ est la solution. Bonjour, bonjour, ça va? Vous soyez le bienvenu. Avec ses propres moyens, mais pour ici, il sollicitait un financement. Beaucoup de structures nous viennent en appui, beaucoup de structures nous viennent en aide pour pouvoir faire quelque chose. Parce que comme vous le savez, que le secteur social, le secteur de la santé, c'est un secteur social vital. Et aussi, par rapport à notre programme d'action, il faudra que nous ayons une couverture totale sur le bassin sanitaire et que le soin de santé puisse arriver au plus de monde. Donc c'est comme ça que lors de notre revue annuelle et semestrielle, nous avons vu à nous assigner certains objectifs, comme je viens de le dire. Donc quand les gens viennent pour nous, c'est quand même un motif de confiance et tout ça, mais il y a un petit bémol parce que lui le sait, que nous avons certaines contraintes financières. Parce que nous sommes tous des... Mon frère, ma soeur, tout est possible. N'abandonne pas. Ayez confiance en... Merci beaucoup. C'est la délégation de la Fondation Sylvex Mambou, dont le siège est à Kinshasa. Nous sommes venus ici à Matadi, au Congo central, pour rencontrer le ministre provincial de la Santé. C'est dans le cadre de l'organisation d'une campagne sur la sensibilisation en matière de cancer du sein. Vous savez que le mois d'octobre, c'est un mois consacré à la lutte sur le cancer du sein. Voilà pourquoi la Fondation Sylvex Mambou veut organiser une campagne dans le Congo central dans ce cadre-là. Et c'est pour la faisabilité de cette campagne que nous sommes venus voir le ministre provincial de la Santé. Au fait, nous avons commencé par la capitale. Il y a eu des activités à Kinshasa. Et comme deuxième province, nous avons choisi la province du Congo central par rapport à sa situation géographique, non loin de la capitale, mais les autres provinces aussi bénéficieront de cette campagne. Loukou San Lionel. Oui, il est réceptif. D'abord, il faut préciser que nous sommes là dans le cadre de la campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein. Je suis personnellement secrétaire général de la Fondation Sylvex Mambou. On a fait la descente au Congo central pour voir le ministre, essayer de discuter pour voir la faisabilité de descendre pour continuer avec la campagne de sensibilisation ici au Congo central. On a parlé de pas mal de sujets, on a discuté sur le projet et il est réceptif, il a été attentif et nous attendons la suite. Quelles sont les activités plutôt de l'ONG? Je n'ai pas compris la question. La,
l'activité mondiale de l'ONG. Dans le cadre de l'Octobre Rose, octobre mois consacré au cancer du sein, l'activité première que nous organisons, c'est une campagne de sensibilisation parce que nous avons remarqué qu'il existe un manque de connaissances sur la maladie du cancer auprès de la population. C'est pourquoi on a choisi de faire une campagne de sensibilisation afin d'éveiller les consciences et transmettre ou véhiculer l'information sur cette pathologie. Je sais que tu as pris beaucoup de médicaments, ne perdons pas espoir. Je t'en prie, peu importe le stade qu'atteint ton cancer, Jésus va te guérir. Fondation Sylvette Mambou à Kinshasa, nous avons en contact avec le gouvernement provincial pour organiser une campagne sur la lutte contre le cancer du sein. Voilà, ces jours-là qui sont à ma tête ici, à Kinshasa, entretien avec le gouvernement provincial, les agriculteurs pour tuer. Tout cela va retomber en haut dans les jours qui viennent. Merci. Oui, merci. C'est la Fondation Sylvette Mambou. Nous sommes venus, nous étions au Congo central pour un entretien avec le ministre de la Santé. Notre bien passé. Nous allons parler de la prochaine sensibilisation qui aura lieu sur le Congo central. Nous espérons revenir bientôt pour sensibiliser la population de Matadi, de Boma et de Mwanda. Donc encore merci à notre président Sylvette Mambou pour tous ses sacrifices et pour tous sa détermination afin que cette fondation puisse être développée. Bonjour tout le monde, je suis venu à partir de Matadi. On est arrivé, voilà que le séjour s'est terminé, on rentre à Kinshasa. Tout s'est passé comme prévu, on a eu le rendez-vous, on a essayé d'avoir des contacts. Voilà, merci. Un message d'espoir pour toi qui pendant longtemps tu souffres du cancer. Les cancers n'est pas synonyme de la mort, mon frère, ma soeur. Tout est possible, n'abandonne pas. Ayez confiance en Dieu, car c'est lui qui m'a guéri de ces derniers. Il est autant capable de le faire aussi pour toi. Suis juste des traitements ou check-up, aussi les conseils de ton médecin. Ne perdons pas espoir, rassure-toi que ça va aller.